Bonjour, je suis Fabien de l'entreprise SIGA et aujourd'hui je vais vous montrer comment poser une membrane dans le cas d'une isolation insufflée. Sur notre chantier, nous allons poser la membrane sur un plafond qui sera isolé avec de la fibre de bois. Pour cette construction, nous utiliserons la membrane Majpel 5R. Avec sa forte résistance à la déchirure, elle permet une pose rapide et sûre. Et grâce à sa valeur SD de 5 mètres, elle a un potentiel de séchage idéal. La membrane Majpel 5R est parfaitement adaptée à l'insufflation. Grâce à sa structure renforcée, à sa souplesse et aussi aux aides à la pose qui sont imprimées. Pour poser la membrane, vous aurez besoin du Twinet 20, double face haute performance SIGA pour fixer la membrane, Corvum 30-30, l'adhésif pré-plié pour fixer la membrane sur les pannes, notre adhésif Sicral haute performance pour faire les raccordements de membrane, un cutter pour couper la membrane, la squeegee pour maroufler, une visseuse pour fixer les contrelattes et finalement le Sicral 170 pour reboucher les troubles d'insufflation. Allez, maintenant suivez-moi, je vais vous montrer comment poser la membrane. Voici notre structure sur laquelle on va tendre la membrane. On va ensuite la raccorder de manière étanche en périphérie, mais également entre les différents laits. On viendra fixer mécaniquement avec des contrelattes et finalement on viendra insuffler à travers cette membrane. La première étape est de venir préparer les solives à l'aide du double face haute performance Twinet. Le but est ici d'éviter que l'isolation migre dans le caisson adjacent lors de l'insufflation. Il est important de rappeler que Twinet ne peut pas supporter durablement le poids de l'isolant. Il faudra par la suite, évidemment, rajouter une contrelatte. À présent, on va poser l'adhésif pré-plié Corvum avec le pré-pli bien orienté vers le haut et en s'ajustant bien sous les solives. Alors, on va maintenant couper la membrane à la longueur souhaitée. Pour ça, on peut s'aider des croix situées tous les 10 cm ou bien des lignes qu'on a tous les mètres pour faciliter la lecture. On va venir maintenant décoller le papier de séparation de Corvum, puis venir coller la face imprimée de la membrane sur le Corvum. On retire le papier de séparation du Twinet. Alors on va maintenant fixer la membrane directement sur les solives, sur le Twinet 20. Une autre solution peut être de fixer directement la membrane avec des agrafes. L'important est toujours de partir du milieu et d'évoluer de chaque côté pour bien tendre la membrane et ainsi éviter les plis. On va passer à la pose de la deuxième membrane. Pour ça, on peut s'aider de l'aide au recouvrement de 10 cm situé sur le bord de la membrane. Pour traiter le recouvrement, on va utiliser l'adhésif de recouvrement Sicral 60. Retirez le papier de séparation et venez ensuite appliquer en suivant la ligne, sans tension, en pressant bien à l'avancement. On va à présent poser la contrelatte. Dans le cas d'un chantier comme celui-ci où la membrane est posée perpendiculairement à la structure, fixez une contrelatte au niveau du recouvrement pour éviter que l'adhésif de recouvrement supporte le poids de l'isolant. Percez la membrane. Et pour la dernière étape, on va reboucher le trou à l'aide de Sicral 170. Découpez un patch à la longueur souhaitée grâce à la lame intégrée. Voilà, c'est fini pour moi. Maintenant, à vous de jouer.